il faut t'en méfier. J'essaie juste de te protéger, ah oui, il faut t'en méfier. Maintenant que t'es calé, oh tu dis que t'es calé. Il faut pas trop me coller, oh sinon je risque de t'égaler. C'est vrai que je te tue avec mon regard, il faut t'en méfier. J'essaie juste de te protéger, ah oui, il faut t'en méfier. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah. Bébé. Comment ça va, bébé? Attends, fais bien la chose là, oh, c'est quoi? Toi aussi, oh. Elle aime ça? Comment ça va, la chérie de mon ami? Oh, ben, c'est ta chérie aussi, oh, là, là, monsieur. Toujours, toute belle, hein? Merci, ah oui, oui, toujours belle. Merci. Clara, viens, approche, pose ta valise là, tu viens. Ouais, donc, chérie, c'est Clara. Ah, Clara. Clara, c'est mon mari. Ça va, Clara? Clara, hein? Lui, c'est pas Pekka, c'est enchanté. Un ami de la famille. Voilà. Ouais. Ah. Assieds-toi. Bah oui, assieds-toi. Ouais. Je suis fatiguée. Ah, le culte d'aujourd'hui, là. Ah, ça va à l'église? Ah. Ouais, ça va. Hein. Et le Seigneur Jésus va bien? Toi, on rigole pas avec ça. Comment ça? Hein? Quand on te dit d'aller à l'église, tu veux pas. Faut pas y avec ça. Mais il a créé le monde, il nous a tous créés, n'est-ce pas, monsieur Eka? Tu sais très bien qu'il est omnipotent. Il est omnipotent. Donc pendant que vous êtes à l'église, il est avec nous ici aussi. Il voit tout ce qu'on fait, mais... n'est-ce pas? Et il sait tout. Donc le Seigneur Jésus, il est puissant. Oui, il est puissant, mais il faut aussi le rencontrer dans la maison de son Père. Ah, merci. Ça, c'est pas faux. Si. Bon. C'est Merci pas grave, beaucoup. On laisse tomber. Merci. Parce que si on rentre dans cette histoire, toi-même tu sais que la Bible, c'est la vie. Mais on continue, on passe d'autres choses aujourd'hui. Voilà. Okay. Ça va? Sinon, le Seigneur Jésus se porte très bien, ma chérie. Tu sais, il ne faut pas me chercher. Comment D'accord? ça? Comment ça? Il ne faut pas me chercher. Bon, ma chérie, viens, je vais t'installer. Hey, Seigneur, je vais l'installer. Installé. Ben oui, je t'ai parlé de Clara. Oui, tu m'as parlé. Je t'avais parlé de Clara l'autre jour. Non, c'est toi. C'est pas, je comprends pas. C'est toi. Tu comprends quelque chose là, toi? Mais elle te dit qu'elle t'a parlé de Clara. Je suis pas dans les secrets des dieux. Attends, vous êtes complices tous les deux? Non, mais si ta femme t'explique que vous en avez parlé, si elle te dit que vous en avez parlé, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je te contredise, que je dise que non, c'est pas ça? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y. C'est pas grave. Ouais, j'imagine que vous parlez entre vous. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai réussi. Toi, c'est tu pas veux grave. Toujours me foutre la honte devant c'est les gens. Pas tu grave. Veux toujours me foutre la honte devant je les dit, gens. C'est pas Même grave. Devant ma soeur de l'église, tu me fous la honte. C'est hein? pas grave. Je t'ai parlé il y a deux jours. Je t'ai parlé de ma soeur en Christ. Je t'ai dit qu'elle a des difficultés, qu'elle allait venir rester avec nous ici pendant un moment. Et là, mais... devant elle, tu me fous la honte comme mais ça. Mais tu veux que je te dise quoi? Tu fais comme si je t'ai pas parlé. Tu fais comme si je t'ai pas parlé. Ça, ça ne pouvait pas attendre. Bon, allez-y, c'est pas grave. Okay. Hein? Je c'est pas grave, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas grave. Tu vois ça, monsieur Eka? Mais mon frère, tu sais, dans ce pays, les femmes ont beaucoup de droits. Et moi, je ne suis pas censé entrer dans vos différends. Mais attends. Là, tu fais de moi un juge. Oui, mais c'est normal, tu es un ami. Et tu es un ami de longue date. Je ne dirais même pas un ami, tu es un frère. Mais c'est quoi le problème? Mais le problème. Mais non, j'ai pas compris. Mais non, mais Eka, écoute-moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Regarde ce qu'elle me fait. Tu me dis c'est pas normal, mais jusqu'ici tu m'expliques pas. Mais attends, toi, mets-toi à ma place. Ta femme peut te faire ça? Est-ce que ta femme peut te faire ça, dis-moi? Et t'as fait quoi? Non, mais c'est pas possible ça. Non, mais c'est pas possible, je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain et je ne serai jamais d'accord. C'est pas possible. Tu viens, tu me poses un problème. Oui. Je te dis non, chérie, non. On ne peut pas, en l'état actuel des choses, héberger quelqu'un chez nous. Et là, tout à coup, elle vient, elle me met devant le fait accompli, devant toi, devant la fille, et tu veux que je dise quoi?
Mais mets-toi à sa place. Regarde comment elle est fragile, son amie. Hein? Une fille comme ça, elle ne peut pas rester dans la rue. Tu es complice. Hein? Tu es complice. N'est-ce pas toi qui parlais de la Bible tout à l'heure? Non, là, ça ne va pas se passer comme ça. Mais c'est toi qui décides. Non. Mais bon, écoute, donc ça ne sert à rien que tu sois mon ami. On restera toujours amis. Non, moi, ça ne se passe pas comme ça. Je viens chez toi, ta femme déconne, je lui dis la vérité, je lui dis les quatre vérités devant toi. Ouf, mais vraiment, c'est du bon café, hein? Tu sais vraiment en faire. Ah oui, je me régale, hein, comme je me régale aussi de ta beauté. Ah, ouais? Ah oui, la dernière fois quand vous êtes arrivé, mon ciel s'est éclairci. Oui, quand il m'a dit que tu t'appelais Clara, ça m'a donné une inspiration. Mais dis-moi, ça fait combien de temps que tu es là, si je peux me permettre? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps? Non. Oui. Mais écoute, ça me fait plaisir que je vienne ici, surtout là. Ils sont pas là. Ils t'ont dit à quelle heure ils reviennent? Non, pas du tout. Écoute, si ça ne te dérange pas, on pourra peut-être mardi prochain aller à la Tour Eiffel, se balader aux Champs-Élysées. Ça te fera un peu découvrir Paris. D'accord, pourquoi pas? Oui. Bah, je te tiendrai au courant. J'y tiens. Tu sais, hein, moi, bon, c'est difficile ici. J'ai une vie assez paisible, monotone. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir une personne avec qui on peut se balader, aller faire les lèches vitrées, pourquoi pas faire aussi des petites courses. D'accord. Bah, oui. Ok, j'aimerais bien. Ça m'enchante, Clara. Moi aussi, ça m'enchante. Ah, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Oh. Ah, c'était ouvert. Oh! Ok, gars. Il y a longtemps que tu es arrivé? Oh, je viens juste d'arriver et Clarisse est là. Elle m'a fait le plaisir d'un très joli café. Ah. Ça va, ma toute belle? Ouais, ça va, Clarisse, elle est très gentille. On était parti chercher justement des trucs pour elle. Ah, merci. Ouais, des petits trucs pour toi. Ah, merci beaucoup. Ouais. Mm-hmm. Et ça va, Déméo? Ça va pas. Et vous, ça va? Oh, qu'est-ce qui va pas, Déméo? Ça va pas. Eh, Seigneur, je suis fatiguée. Tu fais quoi chez moi ici? Il y a un problème? Oh, tu te tais quand je parle. Ah, mais j'ai pas... Tu fais quoi ici? Il y a un problème, mon ami. Bon, sortez. Déméo, on a un problème, toi et moi. Sortez de chez moi! Chérie, il ne faut pas faire les choses. Mais attends, je peux commencer. Attends, tu te tais quand je parle. Mais il a fait quoi? Tu te tais quand je parle. Tu vas à l'église, la Bible dit que la femme doit être soumise. Depuis quand ton mari parle et puis toi tu parles. Lui fait quoi ici pendant que nous on n'est pas là? J'ai pas parlé. Depuis que la petite fille est arrivée, il vient maintenant chez nous sans permission. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il est juste venu nous rendre visite. On n'est pas là. Il est resté. Sortez. Tu veux que je travaille? Je ferme les yeux et je compte jusqu'à 1 et demi. Et quand j'ouvre les yeux, tu n'es plus chez moi. Alors je commence à compter. Bon. 0,30. Chérie, pardon, il ne faut pas. Hey. 0,45. Écoute, Sylviane, je ne veux pas de problème. 0,50. Je ne le reconnais plus, donc c'est pas un problème. 1. Je m'en vais. Ah. Non, ça va, Dino. Ça va. Mais regardez-moi ça. On va se retrouver. Habituellement, il est en cravate. Habituellement, il est en costume, cravate, il vient chez nous. Aujourd'hui, là, il s'habille comme les enfants de la cité pour venir draguer la petite fille. C'est quoi ça? Et demain, elle est sous notre responsabilité. Quand elle sera enceinte demain, là, qui va s'occuper de tout ça? Tu crois qu'il est sérieux, là? En tout cas, je ne comprends pas ta réaction. Tu comprends pas, c'est bon? Je comprends pas ta réaction. Tu comprends pas ma réaction? Moi-même, je comprends. Tu comprends pas ma réaction? Je parle. Tu comprends pas ma réaction? Je comprends ma propre réaction. Parce que moi, je préviens. Je lis dans le futur. Il est habillé comme les wesh-wesh là. Tu penses que c'est quoi? Tu es trop bizarre. Mais pourquoi il est habillé comme les wesh-wesh-wesh? Mais tu as quoi? Tu as quoi à voir avec son... Mais dans ma maison, hein? Je ne veux pas voir de wesh-wesh dans ma maison. Hey. Est-ce que tu as compris? C'est
Ça, c'est de ton ami là que tu parles comme ça là. Faut faire attention à lui. Hein. C'est de ton ami là que tu parles comme ça. Celui que tu vois là, c'est un homme à femme. Il a au moins 10 femmes chez lui. Il va te blaguer, tuer, et puis c'est parti. Si tu veux un bon mari, moi je vais te donner un conseil. Je vais te trouver un bon quelqu'un qui va bien s'occuper de toi. Tu comprends? Oui. Ah, moi je te parle. Hein? Je te parle, je ne suis pas méchant. Voilà, tu as vu que je ne suis pas méchant. Quand ma femme m'a dit que tu viens ici pour habiter, au départ, je n'étais pas d'accord. Mais comme elle m'a convaincu, j'ai fini par accepter. Et je te protège aussi en même temps. Attends, tu te souviens? Le premier jour tu es arrivé, il était habillé comment? Costume, cravate, avec la clé de sa voiture et tout ça. Mais pourquoi il s'est habillé comme les jeunes là aujourd'hui? Pour te draguer! Pour te draguer! Mais même si... Pour te draguer! Toméo, tu vas arrêter un peu. C'est quoi ton problème? S'il veut le draguer là, il y a quoi? C'est quoi ton problème là-dedans? Tu vas, hein? Tu vas retourner à Bandit tout de suite. L'autre n'est pas marié. Elle n'est pas mariée. Tu vas partir à Bandit tout de suite. Hein? C'est des adultes. C'est des deux grands. Tu vas partir à Bandit tout de suite. Si tu répliques encore, je ferme mes yeux. Quand j'ouvre mes yeux, tu es déjà à Bandit. Si tu veux aller à Bandit, il faut parler encore. En tout cas, moi, je ne comprends pas ta réaction là. C'est. Quelles sont ces histoires ça? C'est trop bizarre. Ma maison n'est pas un bordel. Est-ce que ici c'est un moulin? Où on fabrique le poulet? Pour qu'il rentre, il sorte, il rentre, il sorte. Pourquoi? Toi, tu parce qu'il a trouvé une jeune fille ici, alors il vient quand nous on n'est pas là. Mais c'est ton ami comme. Quelles sont ces histoires hein? Moi je n'ai jamais vu un monde pareil. On va prier d'abord. Ok. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour cet instant. Nous te rendons grâce, l'Éternel Dieu, pour ta bonté, pour la bonne santé, pour la vie, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce moment présent. Père, je remets la conversation que je vais avoir avec ta fille entre tes mains. Aide-nous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, tu priais pas. Ok. Bon. En fait, je voudrais parler avec toi. Est-ce que tu peux poser le téléphone à l'instant? Non, il faut parler. Hein. D'accord. Ok. Je voulais que tu me dises qui est le père de ton enfant. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée. Mais je pense que j'ai quand même le droit de savoir parce que tu es sous ma responsabilité, tu vois. Tu comprends au moins si j'insiste. C'est pour savoir au cas où, si demain il t'arrive quelque chose, ou si je ne le souhaite pas, parce qu'on est des enfants de Dieu, je ne le souhaite pas. Mais il faut que je sache au moins qui est le père. Comme ça, tu vois, juste par la formalité. Tu es sûr que tu veux vraiment savoir qui est le père de ma femme? Ben oui. Est-ce qu'il sait que tu es enceinte déjà? Bien sûr. D'accord. Il sait. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je me disais, est-ce que ça serait pas Eka, l'ami de Domio? Parce que l'autre jour qu'on est venu avec Domio, il était. Enfin, je suis une femme, je sais qu'il te drague, que tu lui plais et tout. Mais bon, c'est vrai que ça fait un moment, on ne le voit plus. Après, voilà, j'aimerais que... voilà, on est des femmes, tu vois. Mm-hmm. On est des femmes, il n'y a pas de secret entre nous. Et en surcroît, on est des sœurs en Christ, tu vois. Mm-hmm. On est des sœurs en Christ et tout. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de secret entre nous. Voilà, donc, tu vois, c'est un peu ça, par le principe de respect, de tout ça. Et puis, bon, tu es quand même... la fille de quelqu'un, c'est encore quand même un enfant de quelqu'un que tu portes, tu vois. Donc, au moins par respect pour moi et pour Domio, tu vois, il faut qu'ils nous disent au moins qui est le père de cet enfant.
Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Après, il y aura des problèmes de papier, des démarches, des trucs à faire. Digne au moins qui est le père de cet enfant. T'as fini? T'as fini? Oui, je crois que j'ai fini. D'accord. Je t'écoute. Bon, tu veux vraiment savoir qui est le père de ma fille? De mon enfant? Tu veux savoir? Ok. Ma Clara! Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais la vaisselle. Oh, laisse pas, laisse pas. Tu sais? Non, je sais pas. Aujourd'hui, c'est samedi. Mm-hmm. Et ta copine n'est pas là. Ouais. Donc, toute la maison est à nous. Laisse-moi ça. Oh, laisse ça. On y va. Allez. Oh, laisse-moi te toucher un peu. Allez, viens, ma chérie. Mm-hmm. Dieu, il a créé toute la créature. Le septième jour, tu vois, il s'est reposé. Ah ouais? Et quand il s'est réveillé le lendemain, qui était le premier jour de la semaine, il était bien inspiré. Et la toute première créature que Dieu a créé ce jour-là, c'était toi. C'est pour ça. Et non, je ne te flatte pas. Ben oui, tu me flattes. C'est pour ça tu es une si belle créature. Et Dieu t'a créé pour moi. Ah ouais? Oui, mais regarde comment tu es venu dans cette maison. C'est un don de Dieu. Est-ce que tu savais que tu allais vivre ici? Non, je ne savais pas. Elle t'a emmené. Et en fait, Dieu a voulu que tu sois à moi. Allez. Bon, ce samedi est à nous. Allez, on est parti dans la chambre. Hey, tu regardes quoi? Bah, j'ai mes documents. Et toi, ça va? Bah, quand tu es là, moi, ça va. Hein? Je ne te manque pas. Bah, si. Mais le jour elle va nous attraper, ça va chauffer. Bah. Oh, on s'en fout d'elle, voilà. Tu sais, sans se rendre compte, elle m'a fait polygame. Ah ouais. J'ai mal entendu là. Hein? Ton histoire là, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah, la vérité. Mon Dieu. Hey! Oh, Jésus! Clarisse, toi, ma soeur, toi que j'ai pris comme ma. Mon propre sang, toi tu me fais ça! Non! Ndiabaye, Gigi! Azo! Quoi tu fango, Bibi Moumo? Hein? Je t'ai pris sous mes ailes comme mon sang! Je t'ai nourri, logé! Hein? Seigneur Jésus, je crois pas! Comment tu peux me faire une chose pareille, ma soeur? Bah, je t'ai rien fait. Hein. Comment tu peux me faire une chose pareille? C'est ton sang, hein? Tu l'as dit. Tu crois quoi? Est-ce que je suis venue à l'Europe pour te regarder? Jésus. Ça sert à rien de faire tout ça. L'effet est déjà fait. Donc, tu acceptes la situation et puis c'est tout. Et tu n'as même pas honte. Honte de quoi? Non. Hein? Pas tu du n'as tout. Même pas honte. Non, pas du tout. Et en plus, toi qui te dis enfant de Dieu, tu n'as même pas honte. Comment tu peux me faire une chose pareille, hein? Mais c'est coucher avec dit, mon mari, comment tu peux me faire une chose pareille? Ah, mais le Seigneur dit t'aide, aide-toi et t'aidera. On n'a pas dit reste comme ça et puis voilà. Je t'ai pris sous mon toit.
Tu n'avais ni endroit pour dormir. Écoute, tu n'avais pas de papier. C'est bon. Je t'ai pris comme ma pauvre soeur. C'est bon avec cette chanson-là. C'est bon maintenant, tu vois les faits. Mais comment tu peux me faire une chose pareille? Comment tu peux me faire une chose pareille? C'est comme ça maintenant, tu restes tranquille et puis voilà. Accepte ça et puis c'est tout. T'as pas besoin de... Comment tu peux me faire Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Calmez-vous! Toi, tu parles pas! Mais quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait là, Doméo? Hein? Mais je n'ai rien fait! Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Mais tu vois pas qu'elle est enceinte? Et en plus, tu oses me parler de ça! Tu veux que je te dise quoi? C'est la vérité, c'est elle là? Et puis, tu sais, c'est la première fois qu'on va avoir un enfant! Hein? Moi, je vais avoir un enfant! Faut pas traumatiser mon petit bébé qui est dans son ventre! Hein? Allô bébé, tu vas bien? C'est papa qui te parle! Allez, viens ma chérie! Ça va bien le ventre? Oui, ça va. Au revoir! Dani, mon ambati, mon adulti, lo cuenca.